Bonjour les gars, on voudrait savoir qu'est-ce que vous attirez chez une femme et les filles, qu'est-ce que vous attirez chez un homme. Laissez vos avis en commentaire et suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo. J'oubliais, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Qu'est-ce que vous attirez chez un homme? Bon, moi, chez moi, ce que je veux, un homme grand de taille, bien propre, joli. Si je croyais un homme comme ça sur mon chemin, grand de taille, joli, là, ça me donne envie de coucher avec la personne. Tout est gâté. Tout est gâté. C'est gâté. Bon, moi, ça dépend. Sa manière de réfléchir, de voir les choses aussi, sa mentalité quoi. Bon. La mentalité, ça sera après. En premier, quand vous le voyez, qu'est-ce qui vous aime bien? Non, sa taille aussi. La taille. Donc, si les vilains, ça va. Quand tu le vois, quand tu vois qu'il est grand, il est beau. Déjà, tu as des tu es fond déjà. Oui, ben c'est mon goût qu'elle a. Ben moi, ma taille, je préfère les hommes qui sont grands, jolis, bien propres, bien habillés. C'est tout mon goût qu'elle a, oui. Donc si après ça, après maintenant, il n'est pas gentil, c'est pas bon. Si c'est déjà mon goût, s'il n'est pas gentil, moi, il ne fait rien, ça. Toi, c'est pour toi là qui t'intéresse. Oui, c'est pour moi qui m'intéresse. Si les vilains, ça va. Si les vilains qui les grands, vous prenez. Bon, ça dépendra. Allô? Ça dépendra. Oui. Dépendra, hein. D'accord. Je le regarde de haut jusqu'à en bas. Si tout est correct, je l'aime. Qu'est-ce qui est correct? Qu'est-ce que tu cherches? Les pieds battus, les grands détails, nez bien joli, bien long. Ok. Quoi, c'est pour toi? Quand elle est coupée là, si tu fais en bas là, tout est demi-demi. Mais quand vous ne l'ayez pas, depuis vous riez. D'abord, il faudrait être propre. Faut être propre et puis ensuite la minutieuse et puis bon la tranquillité d'esprit quoi. Moi c'est plus la tranquillité d'esprit. Quoi? Il faudrait qu'il soit tranquille déjà. Voilà, il faudrait qu'il soit posé, surtout posé. N'aime pas les hommes embrouillés qui vont agiter. Non, c'est pas mon truc en fait. Pas ton truc. Mon avant d'aide me fait photo. Faut pas prendre pantalon là, côté pantalon là, faut pas prendre là, je viens de Chine. Ah, c'est ça. Oh. D'accord, donc s'il est bien bâti, un joli nez. Un joli garçon. Garçon qui vient vers moi, mon enfant. Je le vois, il est bien joli là. En tout cas, il me plaît. Il plaît déjà, mais. Il me plaît. Parce que déjà, je le vois physiquement là. Il me plaît. Je sais que lui là, vraiment, il peut être mon mari. C'est tout. Comment est-ce que vous. De rien. Mais donnez-moi l'argent maintenant. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Voilà, on veut savoir. Qu'est-ce que t'attire chez un homme? Un homme, grand de taille, bien joli, il s'habille normalement, il est devant toi, tu le présentes à tes camarades. Toi mais quoi? Vraiment, tu es contente même. Si c'est lui, il sait. C'est lui, mais il est derrière toi là même, là, tu es enchaîné de lui. Ben. C'est ça qui me tire. Chez un homme. Bon, il a pas dit son regard. Le regard déjà. Donc, s'il a un beau regard, il est vilain, il est court, toi ça te va? Oui, ça me va. Il y a le garçon qui se tient aussi. Oh. Non, je ne veux pas ça. Tu veux pas le garçon qui se tient là? Moi, je veux teint naturel. Noir, bien propre. Faut bien t'habiller normalement. Si tu sors ta copine, on sait que tu es sorti un homme. Mais tu t'habilles d'une manière et puis tu sortes et comment on veut te demander qui est derrière toi là. Vraiment ça décroise. C'est pas quoi tu as dit. Ah, voilà. Tu sais même pas que ce que tu dois dire quoi. Mais si tu le vois qu'il est bien habillé là même là. On te demande même pas même. On te demande pas. Ah tu présentes. Tu peux pas présenter, on dit Feli. Vraiment c'est Hollandais qui est là là. Merci maman. Merci ma fille. Pourquoi c'est le regard que t'as dit? Bon, à travers le regard, bon, son visage peut exprimer beaucoup de choses. Donc c'est ça. Bon, moi, pour la première fois,
Je ne peux pas dire que non, cet homme, il me plaît. Mais je regarderai son comportement, de la manière dont il se comporte. Je pense que le comportement, ça vient après. On dit quand tu le vois déjà, là, quand il vient te draguer, là, qu'est-ce qui te plaît déjà chez lui? Ok. Un homme qui est propre, qui s'habille bien, qui sait s'exprimer. En tout cas, qui n'est pas agressif. S'il s'exprime bien, il s'habille bien, il est court et puis il est vilain, toi ça te va? Non, grand détail. Grand détail. Attends. Grand détail, joli. Ben, il n'aime pas les vilains hommes. Grand détail, joli. Joli comme toi. Oui. Aïe. Qui va se négliger? Il peut être joli, charmant, bien habillé, ça m'attire. S'il est bien habillé, il est joli, qu'il est petit de taille, c'est même problème. Bon, petit détail. Pas trop ça, pas mon genre. Au fond, nous donner top et critique. Ce qui te plaît chez un homme même là, c'est ce que nous veut savoir. Qu'il soit beau, grand détail, accueillant surtout. Il peut me plaire. Il te plaît. Surtout la propriété. La propriété. Quand quelqu'un est propre là, il me plaît. Mais d'apparence, il peut être propre et puis après, il n'est pas... Non, si quelqu'un n'est pas propre, ça se sent. Il a une odeur. Par sa bouche, même son bonjour là, même là, ça te chasse. L'odeur de la bouche, là, ça te chasse. Ça te chasse. Sa forme. Bon, moi, sa taille. Bon, c'est tout. Ce qui m'attire chez un homme, soit sage, respectueux. Premier jour, tu et puis, là. Ses yeux peuvent m'attirer aussi. Puis on peut pas de mensonges. C'est ce que maman l'a dit. Elle dit premier jour quand tu le vois, il peut pas être sage. Il peut pas être sage. Ça, quand tu me mens, ça m'énerve. C'est ce qu'elle a. Donc la beauté, la taille, tout ça, ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas. Le respect. C'est le plus important. Voilà. Le respect, c'est le plus important. On parle de gens quand tu le vois déjà. Les gens qui viennent, quelqu'un vient te draguer là. Quand le monsieur vient, il dit ma chérie, fond de toi là. Ce qui te voit déjà, non? Ce que tu vois sur lui déjà, puis ça te plaît déjà, et puis tu es contente un peu. C'est ça qu'on veut savoir. Ça, c'est après. Le respect, là, c'est après tout ça. Ses yeux, même, doivent m'attirer aussi. Parce que quand il y a des pauses et puis des brèches, là. Là. Brèche, là, il fasse. Là, je suis. Premier ciel. Merci. Elle me dit que s'il a les yeux revolver, jolis, les paupières sont bien cilées, ça marche. Merci.